Bonjour, bande de psychopathes, ici Merlin Boss pour le 18ème épisode d'Afterbirth. Dans l'épisode précédent, on a fait le Daily Challenge d'aujourd'hui, enfin, de hier du coup, vu que cette vidéo sera postée le 6. Et on a plutôt bien réussi, c'était un Daily Challenge avec Maggie. On a mis beaucoup de temps avant de trouver un damage-up, et encore, c'est surtout grâce à Dr. Fetus qu'on a réussi à aller plus loin. Et aujourd'hui, je sais pas... pas du tout avec qui jouer. Est-ce que j'ai envie d'essayer d'arriver à Mega Satan? On va dire oui, et du coup, on va jouer avec Judas. C'est parti. Voilà. Essayons de voir ce qui se passe quand on le tue cette fois. Et pour ça, du coup, bien sûr, il nous faut des Angel Rooms. Non, ça peut être utile, ça. Ouais, on voit bien que la différence de shot speed dans les stats, ça, c'est cool. Bon. Ce qui est cool avec Judas, c'est qu'il a beaucoup de dommages et le Book of Belial, et ça va nous aider. Parce que le challenge précédent, enfin le Daily Challenge, il m'a un peu crevé, hein. J'arrêtais pas de tirer sur les ennemis et ça les tuait pas, ça me rendait dingue. C'est pour ça qu'une petite partie avec Judas juste après, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Non. En plus avec le Book of Belial qui en théorie nous garantit les David Deal. Bon. Cool, c'est qu'on pourra bien voir ça avec le Missing HUD. Oula, j'ai quasiment pas vu cette mouche. Elle était tellement minuscule. C'est marrant. Bon. Si on arrive à choper une pièce de plus, on pourra peut-être acheter un cœur d'argent dans le shop. Ce qui peut être extrêmement utile. Là, on va laisser cette bombe se charger de ses poupes. Voyons si on peut trouver une pièce ici. Si on pouvait faire la boss rush, ce serait intéressant aussi. Si on pouvait faire le hush, ce serait intéressant également. Mais ne nous précipitons pas trop, hein, on est... Enfin, quoi que, ce serait fun. Mais bon, pour ça, il nous faut vraiment de bons items. Et c'est parfait, on a trouvé notre pièce. Bon, tant qu'on y est, on va shooter celle-là aussi. Et pas de cœur d'argent. C'est dommage. Hivemind peut être utile, mais bon, on n'a pas les thunes pour, hein. On n'a pas les thunes pour, donc continuons. Le Golden Chest, j'aurais bien aimé l'ouvrir, mais on n'a plus de clé du coup. Ah, il fait du bien ce damage. Ah, c'est bon. Bon, je me fais toucher, mais... du coup, je vais tout de suite récupérer mon cœur, hein, faut pas déconner. Eh oh. Ah, merci Little Chad, tu m'évites de faire du gros backtrack. C'est cool. Bon. J'ai pas non plus de bombes. Un peu mal d'options dans cette partie. Bah. Allez, avance. Non, non, en fait, c'était quoi de bon con d'utiliser Book of Belial ici, mais bon, de toute façon, on n'aura pas de Devil Deal. Donc ça ne change pas grand-chose. Enfin bon, ça change qu'on va mettre plus de temps à battre le boss, qui est un peu con, mais bon, bref, c'est pas grave. C'est pas très grave. Si je pouvais avoir une bombe également, ce serait cool. Allez, on a eu la clé. On a eu deux clés même. Ouais. Et parfait, voici la bombe tant désirée. Alors, il y a des chances que la Secret Room soit ici. Parfait. Et on a plein de bombes. Et Samson's Lock. Servir, mais j'aime bien la shot speed, donc bon, on va garder ça. Est-ce que je vais essayer de trouver la secret room? Pas vraiment. Il y a pas mal de possibilités. Essayons ici, si c'est pas là, laissons tomber. Allez, c'est parti pour Gemini. C'est un peu dommage qu'on ait pas notre Book of Belial, mais c'est pas très grave. Judas a quand même bien plus de dommages que les autres persos. Et c'est ça qui fait du bien. Non. Bon, Gemini, tu vas te faire massacrer. Meurs. Ça va. On l'a bien coincé. Un damage plus range, c'est bon ça, c'est bon. Plus de damage, c'est bien. Bon. Essayons d'aller vite quand même, hein, parce que... Bon, qui sait, hein. Battre le Hush, c'est toujours cool. On voit bien la différence de dégâts, là.
On la voit bien, n'empêche, n'oublions pas qu'on a qu'un seul cœur, hein, donc faut quand même faire gaffe. Suffirait qu'on se fasse toucher par un seul champion et on est mort, hein, donc non. Voyons aussi ce qu'il y a là-dedans. On va choper pas mal de thunes, je ne sais absolument plus ce que fait cette Dice Room, le 2, je me souviens jamais. Il y a moyen que ça reroll les drops, du coup on reviendra plus tard. Bon. Alors voici notre item room. Oulala, je viens de perdre des chances d'avoir un DB deal, mais je pense que le Book of Belial nous le garantira dans tous les cas. Pas héros, décidément. On n'a pas vraiment de soucis de bombe hein, aujourd'hui, entre Docteur Fetus et pas héros. Je crois qu'il y a un cœur là-bas, ouais, on va vite aller le récupérer. Histoire de prolonger notre espérance de vie. Hein. Allez, essayons de trouver le shop. Ah, on a trouvé le boss carrément. Ok. Est-ce que la super secrète peut... Non, elle peut pas être là. C'était con, mais bon, c'est pas très important. C'est risqué de se battre contre le boss parce qu'en plus, si on n'a pas de. Bah, si jamais on est un DVD deal et qu'on n'a pas de L sub ou quoi que ce soit, bah, on pourra pas le prendre, ce qui serait légèrement débile. Et je viens de me souvenir que je voulais faire une run Angel. Du coup, en fait, c'est pas très important. Mais bon. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire cette salle? Oh, pas trop, mais bon. Ça fait des piques en plus, ça peut nous one-shot. Donc, c'est pas vraiment une bonne idée. Mais c'est pas grave. On sait jamais, on peut toujours tomber sur Krampus dans un Devil Deal et se faire tuer à cause de ça. Donc, bon, c'est toujours mieux de chercher à avoir un cœur d'argent d'abord. La sécurité d'abord. Assurons-nous d'y arriver. Cœur d'argent, parfait. Parfait, parfait. La sœur de Aero, toute une... What? Je reçois des messages bizarres. Oula. Heureusement que ces pics se barrent tout seul. Bon, pas vraiment de raison de rester dans ce niveau, hein, donc continuons. Pas grand chose, hein. Quoique je pourrais reroll les drops, ce que je vais faire en utilisant une clé, ce qui n'est pas idéal, mais bon. Allons-y. Bon, j'ai reroll. The Sun, ça peut être extrêmement utile. Voyons, ouais, je perds un peu de temps, mais voyons ce qui s'est passé avec les drops. Hein, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Je crois qu'en plus, ça agit au niveau du shop, ou alors ça agit juste dans la salle. Ah non, ça a juste agi dans la salle en question. Bon, c'est pourri. Bon, ok. Bah du coup, dépêchons-nous, ça aurait été intéressant d'ouvrir le coffre, mais fuck it, c'est parti pour le boss, la Sun Card nous sera extrêmement utile, j'ai l'impression d'avoir encore un Docteur Fetus pendant un moment, je me suis pas encore habitué au changement, ce damage est génial, hein. Pas suffisamment génial pour nous attaquer au Hush, mais... C'est un bon début. On a failli se faire avoir. Hop. Pas de Devil Deal. Les choses auraient-elles changé? Le Book of Belial ne nous garantit plus un Devil Deal. Oh. Oh oh, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Bon. Au moins, on a 100% de chance d'avoir dans ce niveau du coup. La Sun Card ne nous servirait absolument à rien. Je vais attendre d'avoir mon... Ma charge de Book of Belial avant de faire la challenge room. J'ai plein de bombes, donc autant la faire. Maintenant, on a récupéré une bombe. Hein. Comme si c'était vraiment utile. Oh là là, oula. Éviter de perdre notre cœur d'argent, c'est quand même une bonne protection. Une clé, parfait. Et on a notre Book of Belial de charger. C'est parfait, parfait, parfait. Voyons ce que contiennent ces coffres. Un cœur d'argent, bon, ça va, il est déjà le coup, et plein de thunes, donc c'est... Ouais, faudrait peut-être que j'utilise Book of Belial aussi, ça peut servir. On l'a chargé spécialement pour ça, donc utilisons-le, hein. Ça nous permet de faire cette salle beaucoup plus vite. Et toi, tu vas te faire massacrer. Hop là. Faut me faire toucher quand même. Mais on est bien au niveau vie, là. Se permettre de prendre à la fois des Devil Deal
et de se prendre un peu de dégâts. Bon, non pas que je ne... que je veuille me prendre des dégâts, hein, ce serait légèrement con. Mais voilà, c'est une petite garantie supplémentaire, ça fait toujours plaisir. Bon, Curse of the Lost, ça ne nous aide pas, mais c'est tentant. Mais j'aimerais bien trouver mes autres salles d'abord. Non mais vous, ces trucs là, ils sont trop cheatés dans Afterbirth, genre... ils me snipent à un point. Ça, c'est... dans la partie précédente, ça m'a fait la même. Oh, connard. Et comment tu m'as... What? Eh non mais je vous déteste. Mais allez vous faire foutre, saloperie de saloperie. Bon. Ok, je suis dégoûté. Et t'as pas intérêt à me filer un bad trip, toi. Tears down. Bon, génial. Deux tears down. Super. Fuck you. Big fuck you. Bon. Du coup, on a perdu notre garantie, hein. Super, super. Une bombe pour une clé, sachant qu'on a pas masse de... on a pas des masses de clés, c'est pas mal. Oula, c'est ça. Ok, je suis dégoûté là. On vient de perdre notre chance d'avoir un début deal. Bon, on est plus qu'à 50%. On peut toujours l'augmenter, mais... connerie. Oh, mais non, mais... ok, bon, je... Nya. Je viens de perdre la Sun Card, qui était une très bonne carte et qui aurait pu nous permettre d'aller plus vite. Ah, on se calme. Ah. Non. Positivons, connard. Et on n'est pas dans le bon chemin, je m'en fous, je veux pas rester là. Ça m'énerve. Bon. Ça me gonfle. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je sais même plus où je vais, c'est génial. Alors, on ne dit pas qu'on a pris... qu'est-ce que c'est quoi ça? Où est-ce que je vais là? Super. Aïe aïe aïe, je déteste ces ennemis, je déteste, bref. Je vais goûter. Non mais ça suffit de me toucher là. Mais je vais vous casser la gueule. Pourquoi j'ai moins de damage d'un coup là? Il faut vraiment que j'arrête de perdre autant de vie aussi. C'est pas le moment de crever. Bon, ça, maintenant c'est fait hein. Fuck it. J'ai besoin d'une autre clé pour le shop, mais tant pis. Bon, vous, je vais vous massacrer parce que je vous déteste. Parce que je déteste tous les ennemis maintenant. J'ai la haine. Bah. C'est ridicule. Bon, on a retrouvé une clé. On a une batterie. C'est pas mal. Bon, on ne vole pas, donc... pas un grand intérêt d'ouvrir le coffre au milieu. On sait jamais. Hein. On est déjà 11 minutes, catacombes 1, c'est pas terrible. Ah, c'est bien ça. Je n'ai rien que je puisse utiliser comme plateforme, malheureusement. Le ladder, s'il y avait eu le ladder ici, ça aurait pu m'aider. Tiens, ça, je me souvenais pas que la Habit était encore dans le shop. Il me semblait que ce n'était plus le cas dans Rebirth. Je me gourre peut-être, mais... bon. Bon, bah pas de ladder. Oui, non, mais c'est bien de m'appeler, mais je suis pas dispo, hein. Non, mais comment je peux jouer aussi mal alors que j'ai fait une partie juste avant? Possible. Et pas de cœur d'argent non plus dans le shop, bon. Pas que ce soit vraiment utile. Bon, bah... bon, on a plus ou moins une chance sur deux d'avoir un Devil Deal, j'aimerais bien l'avoir quand même. Histoire que... on puisse avoir des Angels juste après. C'est con que le Book of Belial ne nous garantisse plus des Devil Deal. Bon, c'était un peu trop cheaté, c'est sûr, mais... mais c'était cool, quoi. Allez, oh, qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, fuck. Il est maintenant un peu le soir, mais ça sert à rien. Bon, merci Canadien, on a regagné des vies, mais on s'en fout, donc bon.
Aïe 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 aïe. Non, absolument quoi, on arrête de se faire toucher dans ce niveau. Enfin, qu'on ne se fasse pas. Ah, c'était tellement limite. Ah pitié, donnez-moi un cœur d'argent là. Et si c'est un bad trick, mais je. Ok, luck down. Bon, j'ai moins un de luck, ce qui est pas terrible, mais. Ce n'était pas un bad trip. Facepalm. Gros facepalm. Possible de jouer aussi mal. Non. C'est pas mon joueur. Non. Bon, je peux exploser cela au moins. 35% supplémentaire, mais vous êtes sérieux? C'est génial. Je pense pas qu'il se passe quoi que ce soit quand je me fais toucher ici, donc ah, j'arrive à l'utiliser deux fois. Essayons de ne pas nous suicider, hein, ce serait cool. Toi, je vais t'exploser parce que YOLO, et tu peux me filer de la vie, ce qui est cool. Ok, 83% de chance, c'est déjà beaucoup mieux, hein. C'est déjà pas mal, et maintenant, même si on se fait toucher, on s'en fout. Ça changera plus quoi que ce soit. Un Black Heart, alléluia. Non, c'est un peu tard. D'ailleurs, j'aimerais bien aller dans la Curse Room d'abord, avant de le choper. Du coup, bah, je vais pas aller tout de suite, hein, j'aimerais bien regagner un petit peu de vie aussi. Hein. Ok, bon, on a un petit Black Heart en réserve, c'est assez bien. Oula, je l'ai vu venir, lui. Je t'ai vu venir. Parfait. Allez, si on pouvait tuer un des petits bonhommes dans le shop, ce serait très bien aussi. Ça nous permettrait d'augmenter encore plus notre chance d'avoir un des deals. Faudrait que j'utilise mon Book of Belial, oui, bien sûr. Mon Book of Belial de temps en temps, ça serait utile aussi. Ah, mais blabla. Possible de jouer aussi mal. Le Street Dollar Bill, non. J'en parlais en plus dans l'épisode précédent, vu qu'on a eu l'espèce d'item qui faisait un peu la même chose. Et ça nous a... ça nous a fait prendre pas mal de dégâts. J'ai pas le choix. Hein. J'aurais dû charger mon Book of Belial d'abord, mais... Je savais qu'il y avait pas mal de chances qu'on ait un cœur d'argent ou un truc comme ça. Donc bon. N'empêche, ça aurait peut-être été bien de l'avoir. Hein. Bon. Oh, bah, ah oui, bah c'est vrai que j'ai la non-sabide, j'avais complètement zappé ça. Ouais, mais c'est pratique. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas eu la non-sabide. On va pouvoir en profiter. Par contre, faut absolument que j'arrête de me faire toucher tout de suite. Mais genre, immédiatement, quoi. Parce que sinon, ça va vraiment pas le faire. Non, 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 casse-toi. Quoi, dégage, pipe. Dégage. Putain, c'est le run de la survie, hein, là, putain, on est à 16 minutes, sérieusement. Bon, pour le hush, c'est foutu, hein. Ah, mince. Putain, si on avait eu notre sun card encore, j'avais pas à rager et appuyer sur toutes les touches du clavier en même temps. Bon, ça arrive, c'est pas grave. Le but, c'est pas d'arriver à hush, c'est d'arriver à Mega Satan. Mais bon, j'aimerais bien faire une run un petit peu plus courte aussi. Possible. Comment je peux jouer aussi mal? Bon. Du coup, je vais pouvoir rentrer à nouveau. Enfin, à nouveau. Je vais pouvoir rentrer dans la Curse Room, hein, tout simplement. Un red chest. Merci. Ça va de me faire ça. Et du coup, je vais tout de suite prendre le Black Heart parce que j'ai pas que ça à foutre de backtrack. Si on trouve la Secret Room tant qu'on y est. Bon, des mushrooms. Une pilule qui est Bombzar. Qui, je suis absolument pas fan de ça. J'aimais bien avoir plein de bombes de partout. Hein. C'était cool. Bon, on pourra aller où on veut avec toutes ces clés, c'est cool, mais bon. Oh non, pas cette salle, je la déteste. J'aurais utilisé une bombe si j'avais pu. Comment je fais déjà? Je sais même pas comment faire pour les éviter en fait.
Enfin, les premiers. Ceux-là, ça va, mais... Bon. Ah, 18 minutes, sérieusement. C'est quoi ces niveaux trop longs, là? Mais toi, je te vois venir. Aïe, aïe, aïe. Bon, évidemment, j'ai plus de bombes, je peux pas check la secret room. Ni faire exploser les mushrooms. Gna gna gna. Bon. Il va te faire foutre. Bon. Non mais il va... Il fait quelle taille cet enfoiré de niveau là? J'ai toujours pas eu ma boss, mon item room ni mon shop. Ça me rend dingue. C'est quoi ce niveau de malade dans Caves 2? Attends, mais dans Caves 2 j'ai l'impression d'être dans... Dans Utero là. Ouais, évidemment, bref, je vais arrêter de me plaindre. Bref, bref. Et où est ce truc? Ah, j'ai déjà eu mon item room apparemment. C'est bon à savoir, je sais plus ce que c'était. Bon, j'en sais rien. Bon, bref. Alors, le shop, on a enfin une bombe, c'est cool. Bon, cœur d'argent, bombe. C'est vrai que je voulais l'exploser lui pour augmenter mes chances d'avoir un David Deal. Nice, plus 10%, c'est bon ça. C'est très très bon. Bon, voyons si la secret room est là. Cool. Bon, rien de particulier. Lui aussi, je pense pas qu'en l'explosant ça ferait grand chose. Bon, là je serais un peu dégoûté si j'avais pas mon, mon David Deal, hein, 93% de chance, c'est pas mal. C'est vraiment beaucoup quoi, donc bon. Alors, The Stain. Non, n'oublions pas que lui, faut rester au-dessus ou en dessous de lui, mais surtout pas à côté. Voilà. Bon, je peux rester de ce côté-là. Je suis assez loin de lui, ça va. Et n'empêche, c'est assez bien d'utiliser ces techniques pour regagner des pourcentages de David Deal. Même si on s'est fait toucher. C'est extrêmement efficace. Hein. Et voici la preuve. Et le pentagramme, ça augmentera nos chances d'avoir un David Deal ou une Angel Room aussi, je suppose. La Goat Head. Ah, c'est... ouais. Enfin, c'est vachement tentant, mais ça me garantirait juste des David Deal, en fait. Donc, bon, sachant que je dois payer pour l'avoir, donc non. Ah, du coup, passons au niveau suivant, et on va essayer d'avoir ces conneries d'Angel Rooms. On a 40% de chance pour l'instant. Bon, c'est pas top. On va essayer d'augmenter ça. On va essayer d'augmenter ça dans la mesure du possible. Alors, bon, on a 3 Black Heart, ce qui est bien, bien cool aussi. Oula, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai une bombe, on va essayer d'en regagner un petit peu aussi. Bon, la boss rush, c'est définitivement foutu, hein. Mais bon. Du coup, c'est vrai qu'on doit économiser également des bombes pour tuer les anges. C'est quoi ça, super magnète? Parce que c'est... J'en ai un peu rien à foutre. Oui, je reprends le Whipworm, même si... je risque de me faire toucher. Vous savez quoi, je vais utiliser le Book of Belial, hein. Je suis dans une mob trap room, quand même. Nice, je l'ai bien snipé lui. Hop. Hop. Ah, c'est vrai que Little Chub peut bien nous aider avec eux aussi. Hop là. Nice. Bon, vous êtes facile à tuer. Hein. Je comprends pas pourquoi vous êtes la dernière vague, mais bon. Why not? Du coup, bon. Je crois que c'est une magicienne card. Ouais, je connais cette salle. C'est toujours une magicienne card. À moins que ça ait changé dans Afterbirth. Et vous savez quoi, vu que toutes les. Toutes les clés que j'ai, hein. On peut reconfirmer ça, mais je sais que dans Rebirth, de toute façon, cette salle était tout le temps une magicienne card. Je sais pas si c'est vraiment une référence à quelque chose, bon, le fait que cette salle soit une magicienne card, mais oui, c'est toujours, la carte est toujours une magicienne. C'est bon, à savoir, je préfère économiser mes bombes. Nice. L'item room. Et là, c'est vrai qu'on a... La nonce habite. Tellement longtemps que j'ai pas eu cet item, c'est ouf.
Nice, des bombes de plus, ça c'est pas mal. Encore le Cursed Eye, mais arrêtez de me fier le Cursed Eye. On me l'a proposé deux fois durant la dernière run, c'est complètement dingue. Et du coup, vu que j'ai pas mal de bombes, putain, j'ai failli le prendre sans faire exprès, c'est cool. Une rune, Et was. Bon, c'est bon ça, ça peut nous trouver un crawl space, ça peut... Et was dans un daily challenge, ça peut être pas mal aussi pour aller plus loin. Non, je sais pas s'ils vont nous en proposer. Je me demande s'ils ont pris des précautions pour les, empêcher les gens d'arriver à un niveau suivant. Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, ça peut soit nous trouver un crawl space, soit nous dépanner. Donc, c'est toujours pratique. Nice, on a trouvé le shop. Je me rends compte qu'on n'a pas vraiment de... de thunes. Ça c'est le truc qui nous permet d'avoir masse de money bags. Bon, ça m'étonnerait que je gagne suffisamment de thunes en explosant ces deux-là, mais... En tout cas, waouh, 2,5% de chance d'avoir une Angel Room. C'est incroyable. Je pourrais soit acheter une bombe, soit un cœur d'argent... Je ne sais pas. Je vais y réfléchir. De toute façon, à mon avis, on n'est pas très loin de la boss room. Donc, dans tous les cas... Ouh, c'est bien ça. Lui, c'est celui qui me donne de la thune. Parce que le money... Le truc, il drop des money bags. Enfin, des... C'est pas des money bags. C'est des... Des treasure bags, je crois, ouais. C'est vachement intéressant. C'est extrêmement intéressant. Ah, essayons de chercher la secret room avec eux. Bon, c'est pas... C'est pas facile. Nice! On a réussi. Bon, on s'est fait toucher, du coup, mais... toi, je vais t'exploser. Essayer d'avoir des thunes. Ah, raté. Luck up. Bon, on revient à zéro. C'est cool. Enfin, c'est cool. C'est mieux que... C'est mieux que moins 1, hein. C'est clair. Et du coup, bon, on va s'attaquer au boss. Hein. Bon, 40% de chance d'avoir une Angel Room. C'est pas énorme. Ou... Je sais pas si on peut avoir un Devil Deal aussi. Oh, sérieusement. Bon. C'était mauvais de ma part, ça. Hein. C'était mauvais, c'était mauvais. Je déteste ces pics aussi. Là, je suis en mode fuck the world aujourd'hui, c'est un délire. Bon. Oh, et on a eu notre Angel Room. Et on a chopé Myth, damage plus HP. Bon, c'est un très petit damage up, mais... Le Rosary va augmenter à mort... Les chances de tomber sur la Bible dans le shop, et même dans l'Angel Room d'ailleurs, ce qui n'est pas terrible, mais en fait on s'en fout, donc on peut se battre contre l'ange, c'est ce qu'on veut. On va voir si on peut avoir, enfin si l'Angel Room peut rester ici d'ailleurs. Ah bah, on a Book of Belial, j'ai oublié d'utiliser contre le dernier boss, donc bon. Ou alors il n'était pas chargé, je ne me souviens pas, mais bon, bref. Bref, en tout cas, on peut massacrer l'ange, et ça c'est cool. J'aime bien massacrer des anges. Bref. Et qui pète un plomb. Oula, bon, je me suis fait coincer. Bon, un morceau de clé, c'est cool. Est-ce qu'on peut avoir le deuxième? Non. Nope. J'aimerais bien revenir au shop. On a trois bombes, c'est plutôt pas mal. Hein. Voyons si la secret room peut être là. Oui. Essayons. Elle est pas là. Au-dessus peut-être. Non, elle peut pas être là non plus. Non, n'oublions pas de conserver quand même au moins une bombe. Elle peut pas être... Ah si, elle peut être là. Elle peut être là. J'ai failli... Et elle est pas là non plus, décidément. Sérieux. Attends, pourquoi j'ai testé celle à côté du boss? Je suis con. Bon, bref. Bref. Le... C'est risqué, en plus ça va pas me garantir d'avoir 4 pièces, mais... Oh, nice, ok, bon. Bon, j'aurai sans doute une bombe au niveau suivant. Le sac, c'est ce qui avait été donné dans le Daily Challenge d'Halloween avec Eve, bon, celui que j'ai perdu parce que bon, j'étais pressé et que je pouvais pas faire une vidéo plus longtemps. Mais je tenais à la faire parce que voilà, j'avais mon costume, c'était plutôt cool. Et on avait cet item de base. Parce que ouais, ça fait un peu... Bah, ça fait Halloween, quoi. Ça fait Halloween et ça nous donne... ça nous donne une très grande chance d'avoir des secret... Non, pas des secret bags, je dis n'importe quoi. J'oublie toujours leur nom, mais bref. Des...
Bref, vous verrez bien. Mais c'est vachement cool. Ah, sale. Ça a pas vraiment de nom, mais c'est plutôt cool. Two of Spades, est-ce que j'ai besoin de multiplier mes clés? Pas vraiment. Je peux toujours le garder, hein. Je sais jamais. Peut-être qu'à un moment, je vais rechoper un Bamzarki et que je vais vouloir le garder, celui-là. Ouh là là, mais je pensais pas qu'il allait bouger, lui. Ok, bon. On va arrêter de jouer mal. Oula. Attention. N'oublions pas qu'on doit rechoper absolument une bombe pour le prochain ange. Hein. Et donc en économiser une. Bon, on a que 40% de chance d'avoir un début de deal pour l'instant. Donc bon, c'est pas pour tout de suite, mais... Mais bon, on a une bonne chance d'arriver à Mega Satan. Ah, j'adore ces trucs. Suicide King, non merci. À moins qu'on puisse devenir Dark Judas. Je n'en veux pas, merci. Là, c'est tellement puissant, ces machins. Vous savez quoi? Je vais utiliser Awaz, voir si c'est un black market. Non. Donc, on s'en fout. On est déjà... Ouais, enfin, déjà. On est à Devs 2 à 28 minutes, bon. Il y a pire, mais... On aurait pu faire mieux, quand même, hein. On aurait pu faire mieux, en tout cas... Ouh là 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 là, attention à ces trucs. Bon, je vais utiliser mon coffre bégal pour les tuer plus rapidement. Nice. Toujours pas de bombe. Pourtant, les money bags, bah voilà. C'est pas des money bags, c'est des drop bags. Bref, Emperor. Non. Je viens de check si jamais, par le plus grand des miracles, on pouvait... Oh. Je ne connais pas cet item. On dirait Missing No. C'est bizarre. Curse of the Tower. Je le sens pas, ce nom. Ça me fait penser à la Tower Card, donc... je sais pas, c'est sans doute en rapport avec ça. Ce qui me fait peur. Ouais, ok. C'est bien ce que je pensais. Quand je me fais toucher, je fais apparaître des bombes. J'y ai vraiment pensé, en plus. Non, je pensais que ça pouvait être soit random, soit quand je me fais toucher. Mais ça peut être fun en fait. Parce que bon, à part du moment où je me fais toucher déjà... Bon, je pourrais me faire toucher une deuxième fois, ce qui est vraiment pas top quoi. Mais... Red chest, c'est cool. Bon, toutes les clés que j'ai, pose pas vraiment de problème. Je peux utiliser une bombe, vu qu'il y en a une juste après. Able, c'est pourri, mais c'est pas grave. Le shop. Attends, ça nous a emmené vachement loin, dis donc. Ok, on a pas des masses de thunes. J'ai envie de casser lui. Putain, juste 2%. Ah, c'est vrai que ça nous donne des money bags quasiment partout. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. J'appelle ça des money bags. On va appeler ça des treasure bags, voilà. Ouais, j'aurais pas assez de thunes pour l'autre machin. Ça sonne à ma porte, mais je m'en fous. Il y a déjà quelqu'un pour ouvrir. Hop là, oula, c'est risqué comme ça, ça. Comment je sens c'est l'affaire? Ouh, ouais, là, c'était pratique cette fois. C'était pratique. Oula. Bullshit. Ah non, c'est utile en fait. C'est plutôt utile. C'est plutôt utile, j'aime bien cet item. Allez, essayons. Bah, essayons de choper ces deux machins. File-moi ce coffre. File-moi ce coffre. What? Oh le con. Je sais pas pourquoi j'ai eu l'impression de... Je pensais avoir plein de bombes, mais en fait pas du tout. C'était légèrement débile. Du coup, je viens d'utiliser toutes mes bombes pour rien. C'est cool. Je fais toujours ça, c'est ouf. Eh, mais c'est vrai, je peux me faire tout au pire. Ouais, mais... Me faire toucher dans l'Angel Room... S'il n'y a pas de flammes, il y a souvent des flammes, donc au pire je ferai ça. Je me ferai toucher exprès pour faire spawn des troll bombes dans la salle. C'est une option. Limite, si j'avais un truc genre Book of Revelation, ça pourrait être utile. Bon, enfin bref. Pas vraiment. Je ne sais plus ce que je dis. Bon, allez. Essayons quand même, si possible, de regagner... Où est-ce qu'il y a un Black Heart, ici?
Ah bah il est là, d'accord. J'ai un Black... Ah, c'est quoi ces misclics à la camp? Je voyais un Black Heart sur la map, j'étais là, mais il est où? Je ne l'ai pas vu. Bon, je sais pas trop ce qu'il y a à gauche. Bon. Map Trap Room, j'ai pas particulièrement envie d'y aller. Oula, ouais, là c'est peut-être un peu dangereux. Bon, de toute façon, je peux pas, donc c'est réglé. Alors... C'est quoi cette carte déjà? Emperor. Emperor ou Sun Card? C'est... discutable. Les deux sont pas mal. Bon, vous savez quoi? Je vais utiliser la Sun Card. A mon avis, l'Emperor est mieux. Ça nous permettra de skip un niveau. Et... franchement, ça vaut le coup, à mon avis. Hein. Emperor, on a 41% de chance d'avoir un Devil Deal, c'est pas énorme. Enfin, oui, Angel Room, hein. C'est pas énorme, on est à Mom, 32 minutes, décidément. Ouais. Map à la con. Ouais, c'est vachement pratique ça, bon, je viens de me faire toucher, mais ça reste vachement pratique, en plus, ça m'a filé une bombe, donc parfait. Alors, Mom, Book of Belial, of course. Oula, t'as attaqué rapidement, toi. Tu as attaqué rapidement. Non. 41% de chance, c'est pas dégueu non plus. Hein. C'est pas loin d'une chance sur deux. Oula, bon. Si je me fais encore toucher plus d'une fois, ce sera plus d'une chance sur deux. Hein. Oula, là, bon. Non, j'aimerais bien quand même garder, mais... mes chances. Oula. J'ai fait des esquives de dernière seconde, c'est abusé. Concentration maximale. Que le pied va pas tarder. Non. Nice, on l'a eu. Et on a eu notre Angel Room. Où est-ce qu'on veut aller? On va dire le chest. Non. Plus de chances d'avoir des items. Et notre Angel Room contient 3 cœurs d'argent, ce qui est cool, plus notre ange que nous allons massacrer. Ah ah, et on a le Book of Belial parce qu'on s'est fait toucher plein de fois durant le fight avec Mom. Parfait, parfait. Nice, j'ai bien pressenti son attaque. Tiens, en parlant de pressentir, bon, et d'ange surtout. pour les gens qui regardent des... enfin, pour mes viewers qui regardent des séries. Pour vous qui regardez Arrow, enfin la série Arrow. Bon, je vais faire un mini spoiler, c'est pas vraiment un spoiler, mais bref. Le dernier épisode, donc celui d'aujourd'hui. Dans celui-là, il y a un crossover entre Arrow et Constantine. Donc la série avec l'espèce d'exorciste qui a été annulée. Hein. Il y a eu une saison qui, je ne sais pas si elle s'est entièrement terminée d'ailleurs. Du coup, ouais, il y a eu un crossover et t'as vraiment le perso Constantine qui apparaît dans la série et c'est vraiment génial, c'est plutôt cool, j'ai adoré. Voilà, donc si vous regardez la série et que vous n'avez pas encore vu l'épisode, bah foncez, voilà. Parce que c'est plutôt sympa. Et si vous aimez Constantine aussi, voilà, c'est toujours cool de retrouver ce perso qui joue, enfin, l'acteur qui joue super bien et le personnage en soi qui est sympa également. Voilà, voilà. Alors, l'Emperor Card, je pourrais l'utiliser tout de suite, mais... mais non, bon. Un money bag, enfin. Un secret bag, bref. J'arrêtais de vouloir donner le nom de ce truc. Ouh, c'était une belle esquive. Une bien belle esquive. Et le boss est mort. Isaac's Head. Bon, je sais pas, il est très bien notre Whipworm, j'oublie toujours son nom. Hop là. Oh bah sérieux, non, c'est vrai qu'on a ça. Revenge of the Bombs. Oula, c'est vrai que ça me dérangerait pas d'utiliser dans cette salle, mais bref. On va essayer de tuer les ennemis quand même. Enfin, sans se faire toucher déjà. Mais Book of Belial, c'est pas trop mal ici. Hein. Parce que bon, ils ont quand même pas mal de vie eux. Non, on a un damage à 11 grâce à Book of Belial, c'est pas mal, mais... avec un petit damage up, ce serait pas dégueu non plus. Hein. Donc bon, maintenant que j'ai la clé complète, bah j'aimerais bien... ça me dérangerait pas d'avoir un Devil Deal, quoi. Sachant qu'on a chopé la clé de clé,
Les chances sont réduites à mon avis, mais bon. En tout cas, qu'est-ce qui est important maintenant, c'est de survivre et arriver jusqu'à Méga Satan, hein, le battre et voir s'il y a de nouveaux trucs, hein. Peut-être qu'il y a un truc après Méga Satan, peut-être qu'il y a quelque chose. Enfin, je sais que normalement il y a des unlocks ou quelque chose comme ça lié à Méga Satan maintenant. Oula. Et pour ça, faut qu'on arrête de se faire toucher. Ce serait cool. Bon. On a que 39% de chance d'avoir. Ah ouais, toujours. toujours plus ou moins une chance sur deux. D'avoir un Devil Deal. Bon, sachant qu'on en a eu deux dans les précédents niveaux, ça paraît normal. Ouh, c'était une magnifique esquive. Et je vais utiliser le Book of Belial là parce qu'il y a beaucoup trop d'ennemis. Qui... oh, c'était beau ça. Je les ai tous. Je les ai tous semés. Oula, il y en a d'autres qui me suivent. c'était magnifique. J'adore ce que je viens de faire. C'était de très belles esquives. Two of Spades encore. Non, je l'avais oublié celui de tout à l'heure. Pourquoi pas, hein, franchement. Ça change pas grand chose. Essayons de trouver la Secret Room. Ah bah j'ai plus de bombes, c'est réglé. Alors, si j'étais la boss room, je serais en haut. Voilà. C'est peut-être ça. Nice. Hop là. Bon, on a trouvé notre bombe, mais... Ah, on a une curse room, donc s'il a... Ah! Sérieusement? Bon, bah, c'est foutu pour notre... pour notre Devil Deal, hein. Bon, ou alors, faut vraiment qu'on ait beaucoup de chance. Alors, on a un Eternal Heart. Bah, en fait, ça peut pas du tout être là. Ah bah le boss était pas là non plus, super. Mais l'Eternal Hat me servirait très utile, hein. On a quand même Little Chad. Vu qu'il nous file des vies de temps en temps, ce n'est pas négligeable. Et vu qu'on a des vies dans le niveau, vous savez quoi. Je vais carrément rentrer ici, je sais, c'est dangereux. Mais bon. Le danger, c'est cool. Bref. Bon, par contre, j'aimerais bien récupérer mes vies, donc je vais aller... Pourquoi il y a un cœur rouge là-dedans? Bon, je crois qu'il y a un cœur rouge qui a spawn à l'intérieur, bref. Je vais vite aller récupérer toutes ces vies. Parce que, voilà, faut pas déconner. C'est bien de prendre des risques, mais... Faut aussi prendre des précautions. Bon. Ah, mais en fait, ouais, en fait, là... J'aurais pu passer par la... Ah bah non, je n'ai rien dit. Je n'aurais pas pu passer par la Secret Room. Oula. Bon. Bref, à mon avis, le boss est par là. Ah bon, ça va, on a pas mal de chances de récupérer. Surtout si on se fait toucher, oui, c'est clair. Oh, mais non, quoi. Ah tiens, on a trouvé la Secret Room. bon. Toi. C'est vrai que la curse, parfois, elle peut nous causer des soucis. Alors, toi, tu vas nous donner des thunes. Bon, plus 2,5% de chance d'avoir un Devil Deal, c'est mieux que rien, mais bon. Je pense que c'est un peu foutu à ce niveau-là. Oh non, pas eux. Sérieux? Oh, merde! Ok, ouais, ça, c'était vraiment... Vraiment con. On n'avait pas un cœur au-dessus. Aïe, 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 aïe. On est un peu dans la merde, là. C'est vraiment pas top. Il y a moyen que la deuxième secret room soit juste à droite, à gauche. Mais je n'ai pas de bombe pour l'instant. Toi, donne-moi des vies. Des vies, j'ai besoin de vies. C'est pas des vies, j'ai une bombe. Une magicienne, on s'en fout. Ah, le demi-cœur, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, hein. C'est beaucoup trop risqué de se battre... Ah non, ça va, c'est Pike Leaves, ok. ok, ça devrait aller, j'espère. Vous savez quoi, je vais carrément prendre la magicienne, on sait jamais. Ah tiens, la magicienne est aussi un damage up, je... Je pensais que c'était juste dans l'Eternal Edition, je me demande si c'est nouveau dans Afterbirth ou bien... Ou bien si ça a toujours été comme ça. Je ne pensais pas.
Il est maintenant 22h. Merci, Canadien. Oh, Scourlex, pour une fois, tu viens enfin du bon côté. Alors, 17% de chance d'avoir quelque chose, ça m'étonnerait qu'on l'ait, mais bon, on sait jamais. Une petite godhead, hein. Bon, ça serait assez abusé. Un Scourlex qui ne nous troll pas trop pour une fois. Non, ça reste quand même pas évident de le toucher, mais bon. Il s'est déjà exposé deux fois, ce qui est pas mal, hein. Ah, trois fois, non, mais c'est cool ça. C'est cool. Scourlex qui ne troll pas, c'est toujours bien. Allez, on y est presque. Bah, cette fois, on peut pas l'avoir. Aïe. Ouais, bon, là c'est vraiment foutu pour le David Bill. Hein. Et c'est aussi. Il faut vraiment faire attention parce qu'on peut vraiment mourir là. On se fait toucher une fois, on est mort. Hein. C'est pas pour me stresser, mais. Mais il faut faire gaffe. Merci. Speed and range, sérieux. Attends, what? J'avais pas utilisé la magicienne card? Ah non, j'ai utilisé Book of Belial, d'accord. Ok, je me disais aussi que c'était bizarre, bon. Je vais récupérer mon Eternal Heart. Et il faut absolument que je fasse attention, quoi, on est en galère. On est carrément en galère. Je vais utiliser la magicienne pour juste pour confirmer. Oui, non, c'est pas un damage up. Hein. Ok, je me disais aussi. Bon. Allez, essayons de survivre. Bon, 34. Ouh, on est à 78% de chance d'avoir un Devil Deal ou une Angel Room. Bon, si c'est une Angel Room, ça m'étonnerait que ce soit vraiment utile. Quoique, ça a peut-être changé également dans Afterbirth. Bon, par où? Gauche, droite, allez, toujours à droite. Non, je veux pas être là. C'était très risqué, ça. Enfin, très dangereux, surtout. La curse a bien failli nous tuer. Bon, on va rester un demi-cœur parce que Polaroid. Bon, je vais utiliser mon Book of Belial ici. Oh, on a 99 clés, donc bon, cette salle, évidemment, on va y aller. Avec un peu de chance, il y a des vies dedans. Des villes. Ouais. Plein de money bags, enfin. Bref. Vous avez compris. Two of Hearts, ouais, pas mal. The Sun, oui. Non, je crois qu'il y a eu deux Sun, mais non. Et le dernier, est-ce qu'il y a de la vie dedans? Non. Tower, non, merci. Sun Card, je vais pas l'utiliser tout de suite. Two of Hearts, ouais. J'ai deux Two of Hearts, ouh, c'est bon ça. Bon, vous savez quoi, je vais utiliser deux Two of Hearts tout de suite. La Sun Card, je vais utiliser. Non. On va dire fuck le. Fuck la boss machin. Fuck l'Emperor Card. La Sun Card est bien plus intéressante. Hein. Si on pouvait même la conserver jusqu'à Mega Satan, ce serait génial. Bon, on a bien fait d'aller par là. Hein. Allez, du coup, en haut, c'est pas par là. Mais notre espérance de vie vient d'augmenter considérablement. Hein. Ah, j'adore ce truc. Ouais, vous voyez, on a bien fait de choper cet item. Bon bah du coup à gauche hein. Allez. Là, on est déjà à 45 minutes. Bon, la vidéo risque d'être un peu longue, mais si on arrive à Mega Satan, et qu'on arrive à le battre, surtout, ça... Ça aurait été utile, et qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon. Oulala, faut arrêter de me... Faut arrêter de me prendre des dégâts, là. Non. Faut arrêter de me prendre des dégâts, mais qu'est-ce que je raconte? Je ne sais plus parler. Bref. Demon's Hands. Bon, je vais utiliser Book of Belial, comme ça on pourra les tuer plus vite. C'est tout, il n'y en a pas d'autres. Bon, faut quand même faire attention. Hop, qu'est-ce que tu fais? Hop là. Ah, c'est évidemment, c'était pas par là, bon. Il y a aussi des Mom's Hands, mais ça va. Un seul laser placé ici, ça va. C'est pas trop dur à... Ah, nice, on l'a eu. Allez, reviens. Nice. J'ai pas vraiment envie de prendre un de ces cœurs, en fait. Hein. C'est bien d'être au niveau Polaroid.
C'est pas évident de les toucher, eux. Non, ouais, effectivement. Toi, si tu veux, tu vas pas être facile à avoir. Pas tout de suite, en tout cas. Book of Belial, parfait. Oula, oulala, oulala, oulala. Ouais, ça arrive à chaque fois, en plus. Si on se fait toucher par les bombes, des bombes réapparaissent. Donc c'est assez con. Bon. Ah ouais, bah, je peux pas prendre le deuxième. C'est dommage. J'espérais faire ça. Bon, on va toujours le faire plus tard, si nécessaire. N'oublions pas qu'on a la Sun Card. Non, j'aimerais vraiment la garder pour plus tard. J'arrive plus à parler. Attention à lui, il peut se décrocher d'un moment à l'autre. Wow. Il m'a touché? Non. Ok, bon. Alors, Tears Down, non merci. Fuck you. Fuck you, fuck you. Allons récupérer notre demi-cœur. Non, pas d'argent, hein, notre demi-cœur, tout simplement. Et petite pause, Evian. Bref. Un jour, ils me sponsoriseront. Un jour. Bref. C'était ma fin de bouteille, d'ailleurs. Donc espérons qu'on arrive assez vite à régler tout ça. Bon, j'aurais bien le boss vers la gauche. Ouh, la magnifique esquive. C'est Book of Belial quand même. Ils sont assez coriaces. Nice. Bon, je n'ai pas vraiment besoin de cette clé. Hein. Oula, bon, évidemment, c'était pas par là. Sinon, c'est pas drôle. C'est quoi, je vais me prendre la tête. Hein. Ouais, qu'est-ce que je fous? C'est pas comme ça que ça marche. Ah, c'est vrai que les bombes explosent plus vite maintenant. Dans Afterbirth, les bombes normales explosent plus vite et les troll bombes explosent plus lentement. C'est ok. Une sorte de troll, mais arrête de me filer des tears down, toi. What? Ah, 12 clubs. Bon, why not? On n'avait pas trop de bombes. Bon, du coup, j'imagine que c'est à droite. Non, j'aurais pu utiliser la Sun Card, mais bah, comme je l'ai dit. Oh, sérieusement. Je me casse. J'ai le seum. Bon. Je sais que la Secret Room est juste là. Mais sérieusement, quoi. C'était pas par là. Luck up, merci. Ça fera plus de drop bag machin. I can see forever. Fortier Terror d'Energy. Toi, je t'explose. Plus 5% de chance. Des clés, je m'en fous. De la thune, je m'en fous. Bon. Décidément. On se fait bien troller. Aïe aïe aïe. Non. Alors. Oh, mais sérieux, je me fais sniper direct en rentrant dans la salle, quoi. C'est dégueulasse. Je fais n'importe quoi. Voilà. Bon, je sais pas trop s'il y a un autre cœur dans le coin. Bon. Avec notre golden key et nos cœurs illimités, ce serait un peu con de ne pas ouvrir ça. Des clés, des bombes, parfois il y a des trucs là-dedans. Pareil. Bon, à mon avis, le boss sera par là. Hein. S'il ne l'est pas, c'est qu'un. Hop là. Hop là, tata. Bon, dommage, on a bien esquivé tout ça, mais. Bon, c'est un peu abusé, ça suffit là. Bon. Non, mais. Allez vous calmer là. J'ai envie de prendre le black card tout de suite, mais j'ai un mauvais pressentiment. Non, n'oublions pas qu'on a la Sun Card, si nécessaire. Allez, ouvre-toi, toi. C'est une bonne salle pour le Book of Belial, et... D'ailleurs, bah... On n'a pas encore de charge. Donc il va falloir faire des salles supplémentaires, à moins qu'on se fasse toucher, mais j'aimerais bien que ce ne soit pas le cas. Hein. Là, on a la super secrète à droite. Alors, y a-t-il une tinted rock déjà? Ah bah nice, je peux avoir une charge tout de suite grâce à la batterie. Quoi, on va essayer de trouver un crawl space, hein, pourquoi pas. Pas mal de bombes, elles sont pas très utiles. Nope, ok, bon, voyons ce qu'il y a là-dedans. Ok, c'est une de ces salles dangereuses avec les flammes rouges. Un cœur. Connerie, oula, je me casse moi. Ok, bon, normalement ils vont exploser en même temps.
What? Ça, j'ai failli mourir, c'est génial. Bon. Aïe aïe aïe, j'ai des updates ready, je m'en fous. Death card, je m'en fous. La Sun card est bien meilleure. Des batteries, 12 clubs, pourquoi pas. Toi, il y a moyen que t'augmentes mes chances. Non, bon, ok. Tant pis. Et les clés, c'est inutile. Du coup, on récupère notre Sun card. Il n'y a pas plus de vie quelque part, non? Bon, il y a toi. Et il y a toi. Bon, on va rester là. On pourrait récupérer un cœur de plus, mais bon, pas que ça à foutre. Allez, c'est parti pour It Lives. Ça devrait aller. On a le Book of Belial. On a un damage pas trop dégueu. Dans le pire des cas, on a la Sun Card. Bon, ça ne devrait pas être nécessaire, mais sérieusement. Bon. Nice, un cœur. Hop là. C'était utile pour le coup. Allez, on a 34% de chance d'avoir une Angel Room ou un Devil Deal. Une chance sur 3 à peu près. Bon, c'est foutu. Aïe aïe aïe, cette curse, bref. Bon. Partie plus difficile que ce que j'aurais cru, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu tant de damage up que ça. Notre seul damage up, c'est le pentagramme, et bon, aussi mythe, mais bon, c'est tellement faible comme damage up que bon. Des esquives pas trop dégueu là. Ouais, que ouais, mythe c'est un 0.3 ou un truc comme ça, c'est tellement insignifiant que bon. Aïe aïe aïe, non, non c'est cool qu'on gagne des vies de temps en temps. Ouh, elle était bien la curse pour le coup. N'oublions, ah mince, bon, n'oublions pas qu'on a le Polaroid, donc on va dans la cathédrale. Ah, il y a une animation aussi pour ça, j'avais pas fait gaffe. Bon, maintenant, 0% de chance d'avoir un Devil Deal, parce que, bon, évidemment, on ne peut plus en avoir. Ben, 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 cathédrale. Bon, on va aller en bas, cette fois. C'est quand même assez chaud, hein, on n'a pas tant de vie que ça. C'est flippant, ces ennemis invisibles. Ouh blablabla, c'est quoi cette rune? Une Algis rune est très tentante, hein. Si c'est une Algis rune, je la prendrais plutôt que la Sun Card, je pense, hein, vu que ça dure extrêmement longtemps. C'est une Perstro. C'est très intéressant. Ça pourrait être pratique pour The Chest, mais bon, je ne vais pas choisir. À moins que je sois obligé d'utiliser la Sun Card dans ce niveau. Auquel cas, j'aurais peut-être oublié l'existence de cette Perstro, mais bon. Voyons s'il y a une secret room ici. On sait jamais. Non, évidemment, c'est pas par là. Et j'ai pas envie de me battre contre deux Loki. Ça prend trop de temps. Bon. Famine, ça va. Je pourrais mettre une bombe au milieu pour que ce soit plus facile, mais. Bon. J'ai envie d'utiliser ma dernière bombe, on sait jamais. Une petite Tinted Rock, c'est toujours possible. Ça serait bien que tu te ramènes, par contre, ce serait cool. Ce serait utile. Oh là, les mouches, calmez-vous. C'est vrai que c'est un peu agaçant. Bon. Ah, viens là. J'ai vite envie de me faire toucher juste pour qu'il y ait des bombes qui lui spawnent sur la gueule, mais on va éviter. Nice. Bon, maintenant il va nous foncer dessus bientôt, je pense. Nice. Enfin, nice, non, pas nice, mais. Ouh là. Ça va, maintenant, suis. Oh, mais sérieux. Allez, un demi-cœur d'argent, c'est pas... Demi-cœur d'argent. Demi-black heart. Cœur rouge, je ne sais plus ce que je raconte, c'est super. C'est pas mal. Bon. Je vais utiliser une de mes bombes. Hein. Toujours y avoir des trucs cool. Plus de vie, ce serait bien aussi. Daddy Long Legs, ça vaut bien. Hein. Book of Belial. Ouais, ces attaques aléatoires à la con, là. Oh, 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 tu vas te calmer, toi. Tu vas tout de suite te calmer. Ok, on est dans la merde. Allez, donne-moi une sun, non pas une sun, une chariot, c'est bien aussi. Ah, c'est dur, ce serait bien d'avoir plus d'options que ça. Non, c'est pas toi que je veux, surtout pas. Bon. Je vais utiliser Book of Belial dès que je peux. Ça réduit mes chances de me faire toucher. Si je me fais toucher, ça le charge de toute manière. Bon.
immédiatement, mais bref. Ah, c'est bien ça, enfin. Je pense pas avoir de demi-cœur pour l'instant, donc on va en rester là. Aïe, 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 je me casse. Eh merde, je sais, j'aurais pas dû faire ça, mais... Mais voilà, je... J'avais le Polaroid, mais voilà, bref. J'ai préféré, maintenant on sait où est notre boss. Et du coup, je vais garder la Chariot Card pour Isaac. Et Persro pour The Chest. Avec un peu de chance, on trouvera des trucs cool dans le chest qui nous permettront de, d'être suffisamment forts pour Mega Satan. Amnesia, c'est pourri. Bon, je sais à peu près où est le boss. encore cet item que je... Ah, Head of the Keeper, c'est vrai que j'ai eu les Penny Tears, mais j'avais des bombes ou je sais plus quoi. Ah, c'est trop stylé. J'aime bien, c'est cool. Je me demande si je génère des thunes grâce à ça. Pas mal. Bon. Je risque un peu d'oublier où est la... Où est... Ah ouais, merde. Je risque un peu d'oublier où était la... La Persro Rune, mais... Je devrais pouvoir la retrouver. Ah, des Penny Tears contre... Contre Grid, c'est... C'est marrant. Contre une Grid Head... Mais vous avez combien de vie, vous? J'ai pas perdu du damage avec ça, non, non, non. Ok. Ah, c'est vrai que c'est des champions, attends, je pensais pas qu'ils avaient autant de vie que ça. C'est ouf. Et vous allez crever, oui. Why? Eh ben... Non, vous savez quoi? J'ai encore d'autres salles. Utiliser Book of Belial, ça rime. Bon, le pony, tu vas gentiment crever, s'il te plaît. Merci. J'ai perdu de la ferrite ou quelque chose, ou c'est quoi le délire? Non, j'en ai pas l'impression, c'est étrange. Je me demande ce qu'elles font, les Penny Tears aussi. Bon, je suis peut-être moins puissant que ce que je pensais aussi, mais bon. Une clé, normalement le boss est là-haut. Quoi? Oh mais sérieux, Amnesia quoi, fallait que je chope Amnesia évidemment. Maintenant je me prends des dégâts, c'est super. Oula, attention. Putain, j'ai beaucoup moins de damage que ce que je pensais, c'est ouf. Death, fais-toi massacrer s'il te plaît. Ouf, c'était limite. Oh, dégage la troll bombe. C'est vrai que maintenant on est obligé de les shooter tellement elles sont coriaces. Bon, allez. Bon, ça c'était mauvais, hein, mais. Je commence à fatiguer. Pourtant, c'est que ma deuxième run de la journée, mais bon. Ces runs étaient assez longues, hein. Avec hier, j'ai eu une run à 30 minutes et une autre plus courte, je crois, je ne sais plus. Dwarf Diamonds. Je pense pas que mes tirs fassent plus de dommages en fonction de la thune que j'ai, mais c'est possible. Strings, ouais, c'est cool, mais... Golden Key, finalement j'ai des Golden Key à chaque niveau, c'est abusé. Bon bah du coup c'était pas là. ça doit être juste là. Ouais. Ah bah oui, effectivement. Bref, n'oublions pas la Persro Rune. Et on a la Chariot qu'on va utiliser tout de suite, hein. Contre Isaac, c'est vraiment pas mal. Ça nous permettra d'être plus près. Quoique, Chariot, je... Bon, je sais pas si je veux la garder tout de suite, en fait. Je vais peut-être pas l'utiliser au tout début. Essayons de conserver le plus de vie possible, d'abord. Ah, quoique, c'est la vague qui nous... Ah, mince. Ah, c'est vrai qu'on peut pas tirer, j'avais zappé, ça. J'avais zappé qu'on ne pouvait pas tirer pendant que... Qu'on l'utilisait, c'était une petite erreur, du coup. Bon, enfin, c'est mieux que rien. Mais les money bags qui se ramènent en mode YOLO. Bon, ça devrait le faire, mais... Oh là là, c'est pas bon, ça. C'est pas bon... C'est quoi, cette carte? Non, mais faut pas que je cherche à prendre des cartes pendant le combat, c'est pas bon. Bref. Chut. Strength card, c'est bien, c'est un... Bon damage up, vraiment que j'arrête. Chut. Concentration ultime, maintenant. Je ne parle plus. Bon. Suffit de mal jouer. Non, j'ai pas du tout envie de me retrouver à un tir près. Je
Heureusement, je suis assez rapide. Non. Désolé pour vos oreilles. Ah, c'est pas possible. Putain. Cette partie n'a servi à rien. Cool. Je déteste. Ah, on y était en plus, hein. Ça me rend ouf. Bon. Décidément, c'est pas mon jour. Bon. En tout cas, c'était Merlin Boss pour le 18ème épisode d'Afterbirth et on se retrouve dans le fucking prochain épisode. À la prochaine, tout le monde.